Allez, c'est parti. Bon, Flo, retour ce soir sur le parquet de Lourdes, une belle prestation, à la fois individuelle, à la fois collective. Est-ce que ça te soulage de retrouver ces parquets et qu'est-ce que tu as ressenti ce soir? Ouais, ça soulage, ça fait plaisir de retrouver l'ambiance de match en tant qu'acteur, parce que sur le côté, c'est difficile, c'est pas le même match qu'on vit, mais non, ça fait plaisir. En plus, avec la victoire au bout, c'est maîtrisé. Ça fait un petit retour tranquille. Quoi. C'est comme ça que tu juges la performance de l'équipe? Tu trouves qu'il y a de la maîtrise? Je trouve qu'on a pas mal maîtrisé. Après, ils nous ont posé pas mal de problèmes avec leur zone. On n'a pas l'habitude d'attaquer ce genre de défense et ça s'est vu. Voilà. Après, c'est aussi du fait que je revienne, qu'on intègre Warren. Et voilà, mais bon, on va travailler ça et je trouve que dans l'ensemble, on fait un bon match. Ouais. Sur le plan individuel, toi, tu as eu des jambes, tu as eu du rythme? Bon, on va dire qu'en début de match, ça allait mieux qu'à la fin, mais ouais, ça fait du bien de retrouver des bonnes sensations. Ouais. Ok, maintenant, on enchaîne très vite, parce qu'on retrouve Denain mardi soir. Quand tu vois ce match On revient dimanche soir pour préparer mardi contre Denain. Voilà, on joue tous les matchs pour les gagner, donc surtout à la maison, on est sur une bonne série, on veut garder la dynamique, comme l'a dit le coach après le match. Donc voilà, on joue pour gagner. Vous parlez de la zone tout à l'heure, mais vous marquez les points importants quand il fallait, toi, Igor. Vincent voulait qu'on fasse un gros début de troisième quart-temps parce que voilà, on voulait entre guillemets tuer le match en début de deuxième mi-temps et pas leur laisser espérer un retour. On met des tirs parce qu'on joue mieux, on arrive à trouver des meilleures solutions. Mais il va falloir encore travailler ça. Peut-être que Denain va nous proposer une zone mardi, on ne sait pas. Personnellement, tu n'as pas été épargné par les blessures cette année. Ouais, assez rare. Enfin, c'est rare. C'est la première fois de ma carrière que je suis arrêté aussi longtemps. Ça faisait un peu plus de deux mois que j'étais arrêté. C'est nouveau pour moi d'arriver à recommencer et se remettre dans le rythme en cours de saison. Bon, voilà, les coéquipiers font le taf et font ce qu'il faut pour me réintégrer tranquillement. Donc c'est cool, en plus avec une victoire à la maison, c'est bon. Quelqu'un me faisait remarquer, Lesca est arrivé, il est rentré, il garde le ballon, il marque des points, tout va mieux. Ouais, je sais pas si c'est ça, mais je crois que c'est un tout. Hein. Après, le fait de rentrer avec Ludo, Ran, les anciens, Eric, c'est sûr que quand on est les quatre ensemble sur le terrain, c'est différent. On se connaît depuis déjà quelques années, donc... je pense pas qu'il y ait d'effet sur mon retour, mais c'est un tout, quoi. Voilà. Attaquer une équipe de Pro B, ça fait quoi? L'an dernier, déjà? Ouais, l'an dernier, en pré-saison, ça nous est arrivé l'an dernier aussi de jouer de la Pro B. Je pense que c'est un jeu qui nous convient, parce que c'est un peu plus carré, ça ressemble un peu à ce que Vincent veut mettre en place avec nous. Voilà, en plus, on va jouer sans pression, donc c'est un match de coupe et on veut gagner à la maison. Merci Florian, bien joué. Merci à vous.